J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Il est 1h15, on est invité à manger ce midi. Je peux vous dire que c'est la course. Je suis allée chez l'esthéticienne, j'ai refait épilation, sourcils, lèvres et menton, plus la teinture. Ça change tout, j'aime beaucoup, j'adore. J'ai été chercher des desserts à la boulangerie pour ce midi. Et nous, ce soir, on a du monde à manger. Je me tâtais demain à partir chez mes parents, mais franchement la route, je me sens pas du tout de la faire toute seule aller-retour en une journée. Donc la semaine prochaine, j'ai une journée de repos où j'ai pas d'examen, pas de prise de sang ni rien. Donc je partirai le mercredi et je reviendrai le jeudi soir parce que après je pense que je vais pas redescendre tout de suite, en tout cas pas avant notre départ à Londres. Et je veux voir absolument ma mamie bien avant. Et je veux qu'elle sache que je suis là si ça va pas. Donc voilà. Donc là je vais chercher Mathias. Et puis c'est parti, on y va. J'ai récupéré ma commande Almé Paris. Donc c'est cool. Mais là, je conduis. Bref, à tout à l'heure. Bon, tout compte fait, on se reprend dimanche. Mes sourcils, ils font hyper noir. Mais bon, ça va s'estomper, il n'y a pas de problème. Hein. Donc hier, voilà, on a été invité à manger. Après, on a eu du monde à manger hier soir. Franchement, on a eu le temps de rien faire hier. Ils nous ont apporté des petites jonquilles. Notre nénette nous a apporté des petites jonquilles, Colinette. Et on lui a donné ses cadeaux de Noël, au mois de mars. Bref, c'est pas grave. C'est étalé, au moins, c'est plutôt pas mal. Mathias est d'astreinte, donc lui il est parti bosser et moi j'ai fait tout le ménage en bas, j'ai fait les litières, l'aspi et les sols, il me restera les toilettes à faire. Et là je pense qu'il y a les chats qui sont à l'intérieur du garage, parce qu'ils s'éclatent dans le garage, je pense. Bref, il va falloir que je remette également mes chaises. Il fait pas très très beau aujourd'hui. J'ai mis ma Yankee Candle, vous savez, au jasmin et... C'est vrai que j'allais pas être déçue, hein. Elles sont trop trop bon. Maintenant, je vais monter là-haut, je vais faire mes escaliers à l'aspirateur également. Je vais faire déjà le haut et je vais passer l'aspi après. Je vais aller faire ma salle de bain. En même temps, moi, je regarde des petites vidéos YouTube. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il faudra que je fasse à manger, il est 11h10 et il faudra que je me prépare un petit peu puisque j'ai reçu ma commande Almé Paris. Sur 5 articles, j'en ai reçu 3 puisque les deux autres sont en précommande. Je les recevrai la dernière semaine de mars à peu près. Mais je ne vais pas attendre puisque vous me verrez les porter. Si ça me va, parce que je n'ai pas ouvert. Hein. Je vais ouvrir avec vous. Ça. Et puis, je vais vous parler également de Wooyard puisqu'ils m'ont renvoyé des bijoux. J'en ai pris un pour moi, un pour ma maman et un pour mon papa. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça. Et comme je vous disais, je descends voir mes parents cette semaine. Mercredi je suis du matin, je finis à 2h15. Je vais même essayer de finir plus tôt en fait mercredi. Comme j'ai des heures, je pense que je partirai plus tôt. Si je peux partir à 13h, ça serait pas mal. Comme ça, après je prends la route chez mes parents, j'irai voir ma grand-mère, je pense en passant le mercredi. Le jeudi matin, je vais rester avec ma maman, on a 2-3 petites choses à faire. Et le jeudi après-midi, je pense qu'en revenant, j'irai voir ma grand-mère encore à l'hôpital. Je l'ai eu ce matin puisque c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Elle m'a dit qu'il avait remis un peu sous oxygène ce matin. C'était pas la frite. Mais écoutez, à sa voix, je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Donc, ça me réconforte de ne pas y avoir été aujourd'hui en me disant que quand même, je ne vais pas dire qu'elle va bien, mais à la voix, je la connais, ma mamie. Et je vois que ça va quand même à peu près bien. Donc, voilà. Hier soir, avec nos amis... j'ai fait du saumon avec du riz. Franchement, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai fait ça et j'ai pas fait de dessert. J'ai été en acheter un. J'avais fait des petits toasts en apéro avec du fromage après le saumon. Et franchement, c'était très, très bien. Je pensais que ça allait pas être suffisant, mais c'était parfait. Donc, je suis très contente que ça leur ait plu. De toute façon, à chaque fois, on passe un excellent moment avec eux. C'est vrai qu'on se voit pas tout le temps, tout le temps. On a et nos vies chacun de nos côtés. Ils ont la petite. Ça prend beaucoup de temps hein, d'avoir un bébé. Donc, un bébé qui a 2 ans et demi quand même. Ça passe très, très vite. Bref. Donc, voilà. Je vais faire tout ça. Je pense que je vous ai à peu près tout dit.
je pense. Donc je vais aller faire le ménage là-haut et puis je vous reprends après pour Almé Paris et où We Are. Et vous aurez cette vidéo ce dimanche, ce soir, je pense, sur les coups de 18h, un truc comme ça. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les essayages, ou peut-être avant, pour un make-up, on verra bien. Me voilà prête. Je me suis dit que j'allais vous tourner une petite routine comme ça de mes soins du matin, parce que c'est rare que je la fasse avec vous. Et on est dimanche et franchement ça va être chill tantôt puisque ce matin j'ai fait tout le ménage. Donc je vais pas me maquiller, je vais laisser un petit peu cette peau au repos parce que franchement... Donc j'ai pris une petite douche, ça fait trop du bien. J'ai lissé mon truc mais avec la crème en dessous. Bref, donc ouais, j'utilise ces petites pinces-là, vous les trouvez chez Action maintenant, c'est des pinces plates, moi j'aime bien m'en servir quand je me maquille du coup avec ma frange, comme ça je la mets un peu sur le côté et elle reste lisse tout ça et après j'arrive à bien la replacer après mon make-up, donc voilà. Je vais vous mettre au niveau de la ring light et je vous montre Almé Paris, donc c'est parti. Donc voilà. Vous voyez, je vous ai dit hein, que j'avais quelques petites rougeurs et tout, mais moi, elle me dérange pas, là, je suis pas maquillée, franchement, je m'en fiche et ça fait du bien de laisser sa peau au repos. C'est vrai que maintenant, je me maquille tous les jours. Il n'y a pas une journée où elle respire correctement. Donc écoutez, je pense que je vais essayer de faire au moins une journée par semaine où je la laisse respirer comme ça. Et là, on est dimanche. J'ai pas franchement à sortir, faut juste que j'aille au boulot tout à l'heure. J'ai 2-3 trucs à emmener au travail et j'ai envie de les emmener aujourd'hui parce que demain, mon coffre, sinon, il va être plein, donc c'est pas la peine. Bref, au mois de décembre, quand je vous ai fait les Vlogmas, vous savez, j'ai commandé sur Almé Paris et j'étais pas hyper satisfaite vu le prix des articles. C'est très, très cher. Dans cette commande, en tout, j'ai 5 articles. Là, j'en ai que 3. Pour 5 articles, j'en ai pour... pratiquement 300 €. Si vous voulez moins 10% sur Almé Paris, vous mettez le code qui s'affiche ici, c'est Chloé10. C'est une influenceuse TikTok, moi que j'ai connue, qui a fait une collection avec eux et ça fonctionne toujours le code de moins 10%. Je l'ai su grâce à Bérangère. J'avais déjà utilisé ce code-là au mois de décembre, mais là, écoutez, je l'ai réutilisé. Il a fonctionné, donc c'est plutôt cool. Je vous avais dit que niveau packaging d'envoi, je trouvais ça complètement abusé vu le prix, que c'était pas soigné, etc. Que j'avais l'impression que la qualité était pas folle alors que je porte en fait les vêtements tout le temps. Que ce soit la petite jupe noire ou bien la combinaison, je les porte extrêmement souvent, que ce soit pour une occasion ou pour tous les jours. Et je trouve qu'en fait, ça tombe, le tissu tombe très bien au niveau de mon corps. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ils vont jusqu'à la taille, il me semble, 52, 54 ou 50, 52. Je ne sais plus trop. En tout cas, là, j'ai 3 articles. Il y aura 2 articles qui arriveront fin mars. C'est ça aussi, Almé Paris. Vous avez des articles qui arrivent, qui sont envoyés dans les 24 heures. Et d'autres qui sont en précommande. Et j'ai précommandé un autre petit haut et un jean. J'ai voulu tester les jeans. Et sur les photos, je le trouvais magnifique, le jean. Donc, écoutez, on verra bien. Là, il y a 2 pulls et un haut. Et le packaging d'envoi est plutôt très, très chouette. C'est arrivé sous une enveloppe, mais cette fois-ci, c'est en carton. Et franchement, je trouve ça beaucoup plus cool. Bon, le carton est un peu abîmé, mais je pense que c'est le transport. Mais franchement, je trouve ça beaucoup plus quali. Et l'intérieur est complètement quali aussi. J'ai juste ouvert le carton. Je n'ai pas vu les vêtements du tout, du tout, du tout. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Bien entendu, je vais les essayer également avec vous. Donc, ce sont des beaux cartons, hein, avec du papier de soie, un petit...
un petit scotch. Donc on va ouvrir ça. Hop. J'adore. Donc ça va jusqu'au 52-54 parce que je vois que le haut. Donc j'ai pris tout d'abord un pull comme ceci. Alors franchement, il ne me paraît pas trop court. Moi, je le veux porter en fait soit avec un jean. Vous savez, mon petit jean que j'ai acheté chez Mango. Soit avec ma jupe Almé Paris, ça à l'intérieur. Je pense que ça peut faire très chouette. Ou même, j'hésite à me racheter une petite salopette. Je sais que mon ventre sort un peu avec les salopettes. Mais j'en ai vu une sur Mango. Faut que je voie ça après. Je vous dirai dans ce vlog si je l'ai commandé ou pas. Bref. Mais franchement, il est trop joli. Il existe en plusieurs couleurs. Donc, je l'ai pris tout d'abord en violet. Je vous aurais mis le prix et une photo du site ici. Il est un peu ajouré. Mais franchement, il est trop beau. Je suis très contente. Je l'avais vu porter sur Bérangère. Et j'avais dit, tu le trouves court ou pas? Parce que franchement, ça m'embêterait. Donc, il y a 43% d'acrylique, 42% de polyamide et 15% de mohair. Donc, ça a nettoyé délicatement, je pense. Bernice, il va falloir vraiment que tu fasses attention vu le prix des fringues. À 30 degrés, donc je ne le nettoierai pas à plus de 30 degrés. Et franchement, ce violet-là est trop beau. J'ai trop hâte de le tester. J'espère trop que ça va m'aller. Et dans ce premier carton, pour finir... Et en plus, moi, c'est des cartons que je réutilise, par exemple, pour envoi de concours, envoi de colis Vinted, etc. J'ai craqué sur un petit haut blanc. Et les frais de retour sont à leur charge. Donc, ça, c'est très cool aussi. Donc, le pull, pardon, je ne vous ai même pas dit en quelle taille je l'avais pris. Bon, j'ai dû vous le marquer en vous parlant, mais... mince, c'est pas écrit la taille. C'est un petit peu con, ça, quand même. En XXL. Hop. Et donc j'ai pris un petit haut blanc qui me paraissait hyper joli. Et franchement, il est plutôt sympa. Donc c'est un petit haut blanc assez léger. Mais ce qui m'a fait complètement craquer, c'est le détail sur les épaules de dentelle crochet. Et franchement, j'ai trouvé ça très beau. Donc je l'ai pris en 52-54. Il est canon. Franchement, il est très joli. Les finitions sont très bien faites, etc. Donc je suis très contente. Vous voyez, j'ai complètement changé d'avis. J'ai payé avec ma carte bleue. Hein. C'est pas du tout un partenariat. Il est en 100% polyester. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Effectivement, c'est un budget, etc. Mais j'ai envie maintenant de m'acheter de plus jolies pièces et peut-être moins souvent. J'ai refait une petite commande Chine, mais dedans, il y a un blazer, une robe et une paire de chaussures, vous voyez. Mais j'ai pas envie de repartir dans l'extrême et j'ai envie d'avoir de belles pièces. Ça, c'est un petit haut, franchement, que j'avais eu sur un live et c'est pas de la bonne qualité et tout. Donc, mais bon, pour le dimanche, c'est parfait. Bref, donc voilà le petit haut et il est trop joli. J'aime vraiment beaucoup. Pareil, je pense qu'il faut pas le laver trop fort. Hein. On le lavera à 30 aussi, ouais, à 30. Moi, je lave beaucoup à 40, c'est ça mon problème, je crois. Et donc, dans ce deuxième petit carton, il y a encore un seul article. Et vous allez voir, j'ai pris le pull en violet. Je n'ai pas pu m'arrêter là. Donc, vous voyez, ils vous font l'étiquette de retour au cas où. Donc, ça, je vais bien la garder. Vous avez une petite carte comme ceci, Almé Paris. Ils vous remercient pour vos achats. Et ils vous expliquent la procédure de retour et comment on est remboursé. On est remboursé assez rapidement. Hein. Au mois de décembre, j'avais renvoyé le body qui ne m'allait pas du tout. Je ne pouvais pas rentrer mon bide dedans. Quoi. Et ils m'ont remboursé en 7 jours. Donc, plutôt cool. Donc, pareil, toujours ce petit papier de soie. Et donc, le pull, je l'ai pris également en rose. Je le trouve trop beau. Bref, franchement, il est calme. Il est trop beau en rose. Les manches, ça m'a l'air d'être des 3 quarts. Et j'espère c'est que ça ne pique pas. J'ai un petit peu peur. Il y a du mohair dedans et je crois que le mohair, ça peut piquer un petit peu. Donc, écoutez, on va tester tout ça maintenant. Je n'ai pas le bas qui va avec, mais suivez-moi. Je vais suivez-moi sur Instagram. Je vous remets mon Insta ici. Je vais tenter de vous faire quelques photos en fin de semaine. Je vois ma maman, je vous ai dit. Et je sais qu'on aura 5 minutes pour faire 2-3 photos. Elle aime bien aussi... se prêter au jeu pour mes réseaux sociaux, donc voilà. Bref, j'essaye ça et on revient tout de suite pour les essayer. Alors, franchement, il est canon.
Il y a un problème, c'est qu'il est resserré là. Donc franchement, au moins j'ai envie de vous dire, ça tient bien. Je trouve qu'il descend assez bas, hein. Je peux le redescendre encore un peu. Et franchement, j'aime trop. Donc moi, c'est pas pour... Avec mon jean, je pense que ça peut faire très très sympa. Il est trop beau. Alors, il pique un petit peu, sachez-le, mais c'est vraiment vraiment léger. Le col, il remonte, mais il ne me coupe pas la respiration comme des cols que moi j'aime pas. Et je pense qu'avec la petite jupe, ça peut faire très très sympa. Écoutez, attendez, je vais chercher la petite jupe. Donc voilà, ça c'est la jupe Almé Paris et que je mets assez régulièrement. Donc imaginez ça avec un petit collant peut-être noir ou quoi. Et le petit pull. Et franchement, j'aime trop. Je suis trop contente. J'aime vraiment beaucoup. Et puis une petite ceinture, vous voyez, pour... Donc voilà ce petit pull rose. On va essayer le violet. Donc le petit violet qui ressort un petit peu bleu aussi, mais en vérité, il est vraiment violet. Bah écoutez, j'aime plutôt bien. J'aime bien. C'est exactement le même. Les petites manches comme ça, assez loose, qu'on peut un petit peu remonter aussi. Ils sont trois quarts sinon. Et franchement, j'aime plutôt bien. Et franchement, oui, on ressent la qualité Almé Paris, même si c'est extrêmement cher, je le rappelle. Donc voilà, pour le petit haut blanc. Alors, faut pas faire plus d'un 54, que ce soit pour les pulls ou quoi. Hein. Vraiment, moi, je fais un grand 52, petit 54. Et franchement, je le trouve canon. Ça, je le vois trop avec mon jean mango. J'ai trop hâte. Franchement, j'aime beaucoup. Il n'est pas trop court, pas trop long. Et moi, j'aime bien. Et ce détail-là, oh. J'ai trop hâte de recevoir le jean fin mars. Bref, je me rhabille et puis je vous... Avant de me rhabiller, vous avez été nombreuses à me demander comment étaient les brassières qui habillent. Bah écoutez, voilà, elles sont comme ça. Donc vous avez des coques que vous pouvez enlever. Mais franchement, elles sont plutôt pas mal. Donc moi, j'aime plutôt bien. Donc là, j'ai un petit pantalon, vous savez, un petit peu... Comment? Un peu lainage, je crois que c'est de chez H&M, que j'aime bien. Et ça, c'était un petit haut que j'avais eu lors d'un live, mais c'est pas les hauts que je préfère. Mais écoutez, là, ça fait très bien l'affaire, on va dire, pour un dimanche à la maison. Bref, on va reprendre notre chaise. Hop! Et puis voilà. Bon, par contre, je suis toute décoiffée, hein, Bérénice. Oh là là, ses cheveux, ses cheveux. Hop, voilà. Je vais aller préparer à manger parce qu'il est 13h30. Mathias m'a appelé. Il en a pour une petite heure encore à rentrer. Et puis, comme ça, après, on va manger. Je vais faire des côtes de porc avec des flageolets. Et puis, voilà. Je vais vous revenir tout à l'heure pour vous parler Who We Are. Ils m'ont renvoyé, je vous ai dit, des petits bijoux. Et en plus, vous avez un code promo qui est valable 8 jours si ça vous intéresse. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai fait tout mon ménage, toute ma salle de bain à fond. J'ai une dernière machine qui est en train de tourner. J'ai rangé tout le linge. Je pense que ce soir, il y a un match de foot. Moi, je vais repasser en même temps, je pense, parce que franchement, il faut absolument que je repasse mon linge. C'est une semaine extrêmement chargée qui arrive. Je travaille lundi, mardi, mercredi, deux matins. Lundi, mardi, je ne vais pas vous mentir, c'est assez tranquille, donc je vais réussir à vous faire des vlogs. Mercredi, comme je vous ai dit, je suis de matin, mais après je pars chez mes parents. Jeudi, je reste avec mes parents. Vendredi, je suis d'après-midi, mais toute la matinée, j'ai prise de sang, anesthésiste et gynéco à aller voir. Samedi, dimanche, je suis de coupure. Et après, la semaine d'après, on verra bien. Pour le moment, on n'y est pas. J'en saurai beaucoup plus vendredi. Sachez que j'ai extrêmement hâte. Vous avez vu que j'étais extrêmement de bonne humeur, mais il y en a qui m'ont envoyé un message, qu'ils avaient l'impression que mon humeur... ressentais que j'étais enceinte, j'ai pas encore fait la FIV, je vous le promets, ça je vous l'ai pas encore caché, je vais très très bientôt vous le cacher, mais je suis pas enceinte, c'est que j'en ai tellement chié depuis des années à vouloir ce moment-là que je veux pas le gâcher en fait en n'ayant pas le moral, donc je suis focus et c'est pour ça que je pense aussi que ça se ressent dans les vlogs, que je suis à fond dans les vlogs, que vous avez beaucoup de vidéos en ce moment, que j'arrive à faire plein de choses en dehors aussi, à la maison, mon ménage, tout va très bien, mon travail et tout, j'arrive à tout gérer, vraiment comme j'adore le gérer, avoir beaucoup de moments
très actif et tout. Et je pense que tout ça, en fait, c'est la FIV qui approche à très très grands pas. Et j'ai tellement, tellement, tellement d'espoir dans cette FIV. Même si je sais très bien, il y en a deux qui m'ont dit, Bérénice, fais attention, préserve-toi quand même au cas où. Je sais que ce au cas où peut arriver, mais je l'ai aussi en tête. Mais je veux garder que cette FIV soit un truc de ouf, en fait. Et on a plein de projets avec Mathias qui se mettent en route grâce à ça. Et je sais que c'est grâce à mon humeur. Donc voilà. Mais je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages privés que je pouvais recevoir, qui étaient très, très encourageants. Et merci beaucoup de suivre autant mes vidéos. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses également à commenter. Et ça, c'est très, très cool. J'essaye de répondre à un maximum de gens, je réponds pas à tout le monde, mais si vous avez un cœur, c'est que je l'ai lu, c'est pas que je passe et que je mets un cœur, paf, non, je lis tous les commentaires. Des fois, je peux mettre quelques heures à les lire parce que bah, je suis au travail ou je suis en train de faire autre chose, mais je lis tous les commentaires. Donc, je tenais également à vous remercier pour ça et bah, merci d'être là depuis si longtemps maintenant. Donc voilà. Bref. On va aller faire à manger et puis je vous reviens tout à l'heure pour We Are, pour que vous ayez ce vlog ce soir pour 18h. À tout à l'heure. Ça y est, on a mangé. Oui, arrête de la toucher, ça devait être un toc. Il y en a une ou deux qui m'ont mis en commentaire. Bref, la salopette, vous allez la voir, hein, vous inquiétez pas. J'ai commandé. Bref, je me fatigue, je me fatigue. Donc, je suis en partenariat avec Who We Are depuis quelques années maintenant. J'ai beaucoup, beaucoup de leurs bijoux, que ce soit, vous savez, des joncs comme ceci. Je les adore, je les porte très, très, très souvent, sauf quand je travaille. Mes bagues, les trois quarts, viennent de chez Who We Are. J'ai quelques colliers qui viennent de chez Who We Are. Ma maman a pas mal de petits bijoux de chez eux. Comment? Certaines d'entre vous en ont, puisque j'en avais fait gagner en concours, j'avais fait gagner un bon d'achat au mois de décembre également. Et moi, je suis trop satisfaite de leurs bijoux. Et on va dire tous les 3 mois à peu près, ils m'envoient une somme d'argent que je dépense sur leur site internet. Et cette fois-ci, j'ai pris 3 bijoux, un pour moi, un pour ma maman et un pour mon papa. J'ai voulu aussi regarder un peu homme ce que ça donnait et franchement, la qualité est plutôt pas mal. Vous recevez en 48 à 72 heures dans votre boîte aux lettres. C'est hyper bien emballé dans un petit carton. Vous avez la petite facture qui vous vient avec. Les retours sont également possibles. À chaque commande, ils reversent 50 centimes à une association que vous choisissez dans les associations pré-remplies déjà. Ils en ont plusieurs, je vous les mets juste ici. C'est du plaqué or ou de l'argent, je ne sais plus comment on dit ça. Enfin, c'est de l'excellente qualité, franchement. Moi, je me baigne avec, je prends ma douche. Je dors des fois avec certains bijoux et franchement, ça n'a jamais, jamais bougé. Bouger. J'ai également certaines de leurs boucles d'oreilles. Par exemple, cette paire-ci. Attendez. Enfin, j'ai des petits anneaux. Écoutez, je ne vais pas prendre de trucs, mais j'ai des petits anneaux. J'ai également. Qu'est-ce que j'ai de chez eux en petites boucles d'oreilles? Comme ça, je ne les vois pas. J'en ai. Mais je crois que j'ai 2 ou 3 paires de chez eux. J'ai des petites puces également. Enfin, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup leurs bijoux. J'en ai déjà offert également. Enfin bref. C'est malgré le nom Who We Are, c'est une marque française. Donc ça, c'est plutôt cool. Vos bijoux arrivent dans des petites boîtes comme ça, aimantées. Et franchement, je trouve ça hyper, hyper bien représenté. Et après, c'est dans des petits pochons comme ceci, réutilisables. Et ça, c'est pareil. Je trouve ça hyper cool pour transporter. Je trouve que ça fait une jolie boîte cadeau. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hop. Tout d'abord, j'ai pris un petit bracelet et celui-ci, c'est pour moi. C'est le classique. Hop. Et en fait, il a. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Il a une petite pierre comme ça. Il est très fin. Il est doré. Je l'aime trop. Je le trouve trop, trop beau. Moi qui ai un bracelet assez fort, il tient. Et si vous avez un bracelet. Un poignet assez fort, il va dedans. Et si vous avez un plus petit poignet, vous avez une petite attache beaucoup plus courte ici.
Et franchement, il est trop, trop joli. Moi, j'aime trop ce genre de petit collier. Je l'ai en ce petit bracelet. Je l'ai également en collier et je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est très fin, très féminin. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver, par exemple, sur Wouya. Je suis trop contente d'avoir choisi ça. Ensuite, ici, c'est le collier, hop, pour mon papa. Et celui-ci, c'est l'authentique. Donc, il existe également en argenté. Moi, je l'ai pris en doré. Mon papa m'a demandé en doré. Et franchement, il est très, très joli. Alors, attendez. Il y a une maille de coincé. Hop. Alors. Je vais réussir à la décoincer, hein, mais. Bon, je la décoincerai après, c'est parce que des fois avec mes ongles, j'ai du mal, mais Mathias va me la décoincer. Et c'est une petite chaînette comme ceci. Donc il va très bien que ce soit aux hommes ou aux femmes. Celui-ci est, je vous disais, en doré, mais il existe également en argenté. Elle est très fine, elle est très très jolie, je trouve. Et franchement, je suis sûre que mon papa va beaucoup beaucoup aimer. Je vous redirai ça dans le vlog de la semaine prochaine quand j'irai les voir. Je vais lui apporter en même temps. Et je trouve ça vraiment trop chouette, ce genre de petit pochon comme ça. En effet, un petit peu, un peu daim. Et moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, ma maman a choisi le bracelet le pudique. Alors, moi, je l'ai déjà. J'ai le collier. Ma maman a déjà le collier. Et elle voulait le bracelet. C'est un bracelet doré avec des petites perles comme ceci, noires. Extrêmement fin également. Et je trouve que la parure est canon. Moi, j'ai également la bague qui va avec. Alors, attendez. Je vous montre ça tout de suite. Si j'y arrive. Alors. Elle est où cette bague là? Hop, la mince. Vous voyez, je l'ai aussi avec la bague. Et franchement, elle est canon. Je la mets très 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 souvent. Parce que, je la mets très très souvent parce que vous savez que moi j'adore le doré et le noir. Donc voilà. Donc voilà pour le petit bracelet. Et Wouya vous offre en ce moment moins 15% grâce au code qui s'affiche juste ici. Il est valable 8 jours, donc n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer. J'aime bien savoir si vous allez craquer sur les petites marques que des fois je peux vous montrer. Wouya, je vous la montre très très régulièrement comme je vous dis. Mais c'est un partenariat que j'ai entièrement confiance en cette marque. Donc c'est pour ça que je vous en parle régulièrement et que j'accepte à chaque fois tout ce qu'ils peuvent me proposer. En plus, ils sont assez généreux parce que souvent, deux fois dans l'année, on fait des petits concours ensemble, un l'été et un au mois de décembre. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a plein, plein, plein de bijoux. Ils ont même des bijoux un peu colorés, des bijoux un peu des années 90-2000. Et ils avaient fait une très, très jolie collection là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Tout est en barre d'infos. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Il n'est pas très très tard, hein, il est que 15h. Mais si je veux que vous l'ayez pour 18h, je préfère me prendre un petit peu à l'avance. J'en reprends un dès ce soir et vous en aurez un demain après-midi à 17h30, 18h également. En tout cas, j'espère vraiment que ce genre de petit vlog toujours vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup de mélanger les vlogs avec les face cam, les présentations de produits, les essayages de vêtements et en même temps un peu le blabla de tous les jours. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très chouette. Dites-moi également ce que vous voulez voir un petit peu dans les prochains vlogs, tout en sachant que fin mars, j'ai Clara qui arrive. Donc, je pense que ça a bougé un petit peu plus et qu'au mois d'avril, nous partons à Londres et que nous allons profiter également pour faire des vlogs à Londres. Ça va extrêmement changer de ce petit quotidien. Moi, je vous fais plein plein de bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche soir et je vous dis à très très bientôt et à demain. Et je vous envoie plein plein de bisous. Bisous tout le monde!